Bonjour à toutes et à toutes et à machin bidule, si vous voulez. C'est Asus 165 et mon chat qui se réveille. Bon, bref, on va pas parler du chat. On va parler aujourd'hui donc de Euro Truck Simulator 2. Je vous avais promis un gameplay, donc je le refais. Parce que ça fait combien de fois que vous faites 10, un peu plus. J'arrive pas tout simplement à faire le gameplay en question. Donc ça me saoule. Par contre, j'ai un bug là. C'est la merde. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, je suis accompagné d'un volant. On ne le voit pas beaucoup, je sens que plus ici les ressources qui dépassent. Donc c'est un Thrustmaster. Attendez que je me rappelle du nom. Thrustmaster Ferrari GT Experience Racing Well. Donc c'est un très bon volant pour faire du Euro Truck. Il y en a assez, je vais vous dire. Il tourne à 90 degrés dans un sens ou dans un autre. On a des touches programmables, des palettes, etc. et deux pédales. C'est pas mal donc. Alors, hop, la souris va tout doucement, ça me dérange. Voilà. Donc là on est sur un Iveco Stralis Highway, le nouveau Iveco Stralis Highway, le dernier né de chez Iveco. Contact. C'est magnifique. On y va, on est parti. Donc là je suis sur une livraison en Allemagne. Si je dis pas de bêtises. Donc oui, normalement, parce qu'en Angleterre, ça se peut pas, on conduit de l'autre côté. Donc c'est en Allemagne. Oula. Je vais tout casser déjà à peine démarré. Le Iveco Stralis Highway, c'est le nouveau Iveco Stralis tout simplement. De chez Iveco, il existe vraiment. Euro Truck a la particularité de faire des vrais camions qui existent vraiment dans la vraie vie. C'est plutôt pas mal quoi. Voilà, donc déjà d'entrée, je vous dis ça. Donc on peut voir aussi qu'on a un GPS intégré. Ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent pas mettre le GPS externe hein, qui est là, qui est tout moche. Donc désolé encore pour la qualité, mais mon ordi est pas assez puissant, donc j'ai dû faire comme ça. On est sur du 1024 par 768 le jeu. Donc il y a la fenêtre, donc ça fait un peu plus, ça fait 1034 par je sais pas combien. Donc j'ai bien galéré pour faire le truc, donc là j'essaie de refaire, mais en vain. Je ne sais pas si ça a marché. Donc voilà, bon ben on va terminer la livraison tout simplement. Ah, il y a des éoliennes. Ça c'est pas mal ça. Les éoliennes, regardez bien au loin dans le paysage là sur votre gauche. C'est pareil que moi, ce que vous voulez. Là, il y a des éoliennes, pas mal. Donc là on est plus sur des petites routes un peu campagne. Sauf que voilà, tiens, des champs avec des tas de paille. Ça aussi c'est beau à voir, en vrai. Hein. Parce qu'en jeu, c'est pas pareil. Voilà. Oh, il y en a un qui arrive en face. Trop génial. Alors, on va-t-il y arriver? Alors là, j'ose pas dépasser. Donc oui, je disais, ça fait plusieurs fois que je refais le gameplay, ça m'énerve, puisque j'arrive pas à le traiter avec Camtasia Studio. Donc je me suis dit que peut-être en capturant avec Camtasia, ça marcherait peut-être. Voilà. Bon. Alors j'ai pas réussi à le mettre en plein écran, hein, désolé. Mais... Voilà. Donc je suis concentré sur le jeu, vous allez me dire, bah, tu nous regardes pas assez? Bah oui, mais je peux pas vous regarder vous et en même temps le jeu, je peux pas. Même si la webcam est juste au-dessus de mon écran. Je peux pas vous regarder à deux en même temps. Alors en même temps j'ai un chat sur les genoux, donc c'est un défi de faire ça. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le bruit bizarre. Ah bah moi aussi je vais parler, donc avance s'il te plaît. Oh là là. Ouf. Qu'est-ce qu'il a fait? On va peut-être bouger le chat, hein. Non, je pense. Parce que là. Voilà. Désolé. Bon, j'étais obligé.
Voilà. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Donc j'ai un mail. Alors, votre compte est à découvert. Ah bon, je ne savais pas. Merci de me rappeler. Ça fait plaisir. Alors, on va essayer de prendre un truc qui est pas très très long. En même temps, vous pouvez voir derrière le nouveau Iveco Astralis. Aïe, ouais. Là, vous voyez plus. On va plus faire longueur du trajet. Donc là, c'est les grandes longueurs. Et on va aller dans les plus petites. Köln-Dortmund. Bon, je vais peut-être essayer quand même de vous prendre un Astralis Highway. Parce que c'est quand même le but de ma vidéo. C'est de vous montrer un petit peu ce qui vient de sortir. Et ben, il n'y en a pas. Bon, bah tant pis. Écoutez les amis, on va prendre ce qui s'offre à nous. À savoir le Astralis Highway. Alors en même temps j'ai rajouté des modes dans ce jeu. Le mode, il y a un mode, c'est pour augmenter, c'est pour progresser en niveau très très rapidement. Par exemple, vous faites une mission, normalement ça vous rapporte un niveau. Là vous arrivez du niveau 0 au niveau 16 d'un seul coup. Donc pas mal, pas mal. Alors là ça bug pas du tout. Ensuite il y avait la Truximap 3, je vous en parlerai plus tard. Un mode pour des vraies entreprises, pour mettre des vraies entreprises qui existent vraiment. Et tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est une expression à la française. Le GPS est ici, c'est formidable. On est parti. Je ne vous parle plus. Donc j'étais obligé, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, qui ont fait quelque chose entre deux, j'étais obligé de abandonner ma marchandise, puisque apparemment on était bloqué. Le jeu n'est pas parfait parfait, hein. C'est pour vous dire, il y a encore quelques bugs. Mais vraiment des. Enfin c'est pas grave, quoi, c'est que des bugs normales dans les jeux vidéo. Je veux dire des bugs graphistes. Oula, c'est que ça en fait. D'accord. Ok, les Allemands sont fous. Alors là-bas, il y a le pont. Alors ce pont, pour ceux qui sont en Allemagne avec moi, hein, je vois de qui je parle. On a la cathédrale de Cologne, là-bas, avec les deux tours. Et le pont ici, là, qui arrive en plein milieu. C'est... voilà, donc quand j'ai été en Allemagne, je suis passé sur ce fameux pont. Je peux vous dire que c'est exactement ça, en réalité. Ça ressemble au réel, c'est ça. C'est... voilà. C'est pas que ça ressemble, c'est que c'est comme le réel, c'est exactement pareil. Voilà. Donc après ça, je peux pas vous dire, hein, tous les bâtiments, tout ça, bon, ça, vous voyez, je regardais plus la cathédrale que les bâtiments. Hein. Ouais, t'es qu'un loser, de toute façon. Bon, écoutez, les amis, vous savez quoi, un pont, j'en ai déjà vu tout plein, déjà, pas qu'un. Et en plus, un pont, qu'est-ce que ça fait, à part rester immobile toute la journée? Bah rien, rien d'autre, donc c'est vachement pas intéressant. Une cathédrale, c'est on rentre dedans, on voit tout ce qu'il y a dedans. Alors, la cathédrale de Cologne, quand j'ai été en Allemagne, comment dire, quand j'ai été en Allemagne, ils faisaient une fête. Je sais pas qu'est-ce que c'était exactement comme fête. Il y avait un truc dedans, je vais tuer le chat. Il y avait un truc dedans, il y avait des centaines, centaines, centaines de personnes, on s'y retrouvait plus. Donc, c'était vraiment, vraiment. Mais extraordinaire le nombre de personnes qui avaient là-dedans, ça dépassait aux portes. Pour vous dire, donc toute la cathédrale était remplie et ça dépassait aux portes encore. Donc après, il n'y avait pas que la cathédrale qui était magnifique, il y avait aussi autre chose, je vous laisse deviner. Quoi? Mais tout le monde en parle? Bon, je vais le dire, des belles meufs, voilà. Ah! 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 Il y en a des belles, oui, en Allemagne. J'ai rêvé le chat. Il y en a des belles, oui, en Allemagne. Oui, bon, bah, ils sont plus belles que par chez nous, hein. Mais chez nous, on en a des belles aussi, hein. Et non, j'ai pas voulu baiser une meuf parce que justement, il y a un gros problème. Elle est allemande. Hein. Et ça, je m'en passe. Et ben, il faut qu'elle déménage. Et chez moi, j'ai pas de place. Comment voulez-vous branler une meuf? Enfin, on dit pas comme ça, non. Comment voulez-vous baiser une meuf, même si elle vous aime bien, même si vous l'aimez bien aussi, même si vous voilà. Et ben il y a un problème, elle parle allemand, elle habite très loin, et en plus
En plus, ben rien du tout en fait. Alors voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça a marché, cher frangin, parce que là je fais avec Camtasia Studio. Donc j'espère que ça marchera ce coup-ci, pour la 10e fois. Normalement, si la vidéo est montée, c'est que ça marche. Bah oui, parce qu'en fait, quand on essaie de lire la vidéo sur le PC, il nous dit qu'en fait, c'est stocké sur un contenu en ligne, tout le truc de Windows, en fait, qui bug. Donc, je veux dire, franchement, j'en ai marre de mon ordi, j'ai envie de juste de le prendre, de le balancer par la fenêtre. Juste envie de faire ça, en fait. C'est tellement pourri, on croirait un ordi d'expo. Alors, dans ce cas-là, tous les ordis sont des ordis d'expo. Hein? Non. Bon, bah on va peut-être arrêter là, les amis, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on capture, je suppose. C'était Asus 165 pour le premier gameplay d'Euro Truck Simulator 2. Bienvenue sur Dailymotion, chers amis, et sur YouTube, vous savez, hein, toute l'histoire. Et puis, voilà, moi, je vous laisse ainsi. À plus. Voilà. Donc, à plus tard pour le prochain gameplay, je sais pas quand ce sera. Allez, bye bye.